Allez, une, deux, on le veut ce summer body. Ça fait mal, hein? Eh bien, on continue. On veut l'éliminer, tout ce gras. Bon, ça, c'est ma coach Nathalie. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'en vrai, le gras, ben, c'est pas si mal. Et dans certains cas, ça peut même aider à soigner des gens. D'ailleurs, des chercheurs américains ont prélevé du gras d'une personne, l'ont réinjecté dans son cerveau pour atténuer sa maladie d'Alzheimer. Et vous savez quoi? Eh bien, ça marche. Apparemment, ce serait dû à la composition du gras, des cellules souches, des cellules immunitaires et des facteurs métaboliques qui boosteraient la régénération. Mais alors, au labo, on s'est dit, si ça marche sur le cerveau, ça peut très bien marcher sur la moelle épinière. Vous savez, ce cordon de fibres nerveuses logé dans notre colonne vertébrale qui transfère les informations électriques de notre cerveau et qui nous permet de réaliser tous nos mouvements. Par contre, s'il y a une lésion au niveau de cette moelle épinière, la personne peut rester paralysée. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas comment faire remarcher ces personnes. Alors moi, mon objectif dans un premier temps, ça va être d'utiliser du gras pour faire remarcher des rats. Enfin, je regarde si injecter du gras dans une moelle épinière de rat après une lésion peut la réparer et leur permettre de remarcher. Puis si ça marche, ben on fera pareil chez l'homme. Mais avant ça, il me faut du gras. Alors cet hiver avec les copines, on s'est fait plaisir. Hein. Des galettes, des raclettes, des galettes à la raclette. On a fait du gras. Hey, mais voilà, à la rentrée, bonne résolution oblige, il faut l'éliminer. Du coup, je suis retournée voir mes copines. Coucou les copines, une petite liposuction gratuite, ça vous tente? Et elles ont dit oui. Une fois tout ce gras collecté, j'en isole les cellules d'intérêt que je réinjecte dans la moelle épinière au niveau de la lésion. Après ça, une fois par semaine pendant 3 mois, je vais voir mes rats et je regarde s'il y a une amélioration dans leur locomotion. Est-ce qu'ils sont capables de soutenir leur poids, de faire des mouvements amples de leurs chevilles ou de leurs hanches? Est-ce qu'il y a une bonne coordination entre les pattes? À la fin des 3 mois, avec des électrodes, je vérifie si l'information électrique repasse bien au travers de la lésion. Et vous savez quoi? Eh bien, ça marche! Enfin, il remarche! De quoi redonner espoir aux personnes paralysées. Maintenant, je veux savoir pourquoi ça marche. Ma prochaine étape sera donc d'aller voir directement dans la moelle épinière ce qu'il s'est passé au niveau cellulaire. Bon, du gras. On en a tous, hein? Mais finalement, il pourrait être votre meilleur allié pour vous sauver. Alors la prochaine fois que vous critiquerez vos poignées d'amour, là, ben dites-vous bien qu'un jour, elle pourrait vous porter secours. Puis de toute façon, comme on dit, le gras, c'est la vie. Merci.